Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam et de Younes. Yo! Aujourd'hui, vidéo assez particulière. On va tenter un défi qui a été réalisé par très peu de personnes. Plutôt une expérience. Comme ça, déjà. On va tenter rester réveillé 48 heures. Et oui! Surtout qu'elle, elle a de l'école. Par contre, elle, quand elle a de l'école, elle aura ses petites heures de sommeil. Mais Yacine et moi, on va faire l'expérience. 48 heures, on va voir. Ah, déjà, lui, je sais qu'il dort le plus tôt de la maison, donc c'est lui qui va dormir en premier. Non, on va voir les effets sur le corps. À chaque fois que je passe, t'as envie de dormir. Arrête de balancer ma vie! Let's go! Pour que mes frères reprennent des forces, on va leur faire un tacos montagnard. C'est parti! Là, c'est de la crème fraîche, regardez celle-là. On l'a déjà mis dessus. Oula, on va tirer, Attends. Bon, donc là, on va mettre la portion de viande pour qu'ils aient des bons muscles partout. Il y a quoi? Bah, des pommes de terre, logique! Bon, les tacos, on va tout mettre là-haut. On va faire une petite pile. Ensuite, on va mettre le fromage parce que Younes, c'est un gros. Bon, allez. On va prendre le fromage, on va le mettre bien. Là. Voilà, je vais mettre un coulis de mayonnaise comme ça, il n'y a plus d'abdos. Hop. Et après, je vais aller plier. Ça va être chaud de plier ce méga tacos de Hellef. Je voulais aller sur Uber Eats quand vous savez faire ça. J'ai fait les gâteaux et le tacos. Bon, allez, on va goûter. Bismillah. Laisse bien manger, s'il te plaît. Mon sac, il est incroyable, tu vas trop aimer. Tu as vu comment je l'ai formé? Il est balèze quand même. Bon, allez, on y va. Mais en plus, moi, je t'ai fait un gros. Machallah. T'as vu? C'est un tacos montagnard. Ouais. Regardez-moi ça. Oh, tu vas où, toi? Viens ici. On va aller voir Yacine. Et on va le voir. Ouais, juste deux minutes. C'est bon, ça arrive. Ah, Myriam, tu dois partir, je crois. Tu nous abandonnes. Myriam, elle doit partir? Ouais, elle a dit elle doit partir. Aïe, aïe, aïe. Au revoir. Vas-y, taille. Hein. Tu vas où? À Action. Mashallah. La famille, là, on est le premier jour, je vais faire du sport. Et on va tester un truc dans cette vidéo, c'est est-ce que le manque de sommeil va tuer mes performances dans le sport et tout en général? Même moi, je vais tester en vrai demain. Et là, on va essayer. Donc là, je suis en train de faire une séance un peu tout le haut du corps. Donc c'est parti. Je suis désolé s'il y a un petit bruit, les gars. Là-bas, vous avez, c'est la chaudière. Si on n'a pas ça, il n'y a pas d'eau chaude. Donc vous allez supporter le bruit, c'est pas mon problème. Là, tu fais le dos, là. Ouais. Ouais, il est bien explosif. Bien puissant. Ah ouais, après, t'enchaînes direct. Avec les bras, ouais. Ok, les bras, va. Gros pull, hein. De toute façon, en hiver, toujours des gros pulls. Ça sert à rien d'être sec en hiver. Faites-vous plaisir, mangez après quand ça va être l'été. Une petite sèche, abdos. Arrête, là, tu te reposes. Ouais, après, je recommence à trois fois. Trois fois, ok. Et ta séance, elle va durer combien de temps? Une heure? 45 minutes. Carré. Là, on est posé, on est en train de chill un petit peu, comme on dit dans le jargon. On passe la petite soirée. Vous avez vu les néons, comment ça fait stylé? Juste ça, ça fait un peu clochard. Donc là, pour le setup, il y en a beaucoup qui me demandent. Là, c'est le coin de Yacine. Il a ouais. La play, plus là, l'ordi. C'est le coin de travail. Là, c'est le coin de Myriam. Regardez, elle est en train de jouer à Call of. On va regarder s'il est devenu fort. T'es aussi en train de faire un montage. D'ailleurs, il y en a plein qui me demandent, Yacine, pourquoi tu live plus? Parce qu'en ce moment, il n'y a plus. C'est pas ça, ils disent pourquoi tu live plus? En ce moment, il n'y a plus de jeu à live et du coup, j'attends, Inch'Allah. En mois de décembre, parce qu'il paraît, il va y avoir une nouvelle saison Fortnite. Et si c'est bien, on relivera. Ok. Ça, c'est mon ordi. Pourquoi tu mens? C'est mon ordi. Regardez mon coin, il est là-bas, les gars. Je suis trop fort à ce jeu, c'est incroyable. On va regarder Myriam, son talent. Par contre, regarde mon fond d'écran, il est pas incroyable. Ton fond d'écran? Il est, je pense, c'est un des meilleurs. On va regarder si elle est forte, les gars. Elle monte l'escalier. Attention, elle rentre dans la maison. On l'a formée, hein, donc normalement, elle est forte à Call of Duty. Elle rentre dans la maison, ça va arriver en bas des escaliers. Là, t'as des escaliers en bas à droite. Tue-le! Tire. C'est ça, c'est pas. Ah, ça va, elle est forte. Bien. On va voir là l'avance. Bon, au milieu. Oh, tu l'as vu. Vas-y, avance, elle va le tuer. On va voir si t'es forte. Mais non, mais elle l'a pris. Bien. Elle est trop nulle. C'est moi, j'ai une grenade. Non, laisse-la. C'est pas ton bureau. Ton bureau, il est là-bas, ça, gros toxico. Lui, c'est trop. Lui, c'est trop un dosé, lui. Ah, bien. Même toi, tu t'es fait tuer. Ah bien. Oh le nulos. Pour ma défense, Younes, il lui a passé une manette. Regardez, vous allez rigoler. Regardez la manette. Regardez quand j'appuie là. Je regarde, j'appuie. Vas-y mon film. Ça fait rien, regardez. La manette, elle est cassée. Mais paye-lui-en une. Voilà, en tout cas, c'est la première journée. On a tous plein d'énergie. On a d'énergie pour l'instant. On verra tout à l'heure dans la nuit. Bon là, je dois aller dormir, mais à chaque fois que je passe devant la rue, j'ai trop envie de déballer les cadeaux. Et en fait, je fais plein de cadeaux à la famille, j'ai mis plein de bonbons et tout. Tu sais quoi, regarde? J'ai envie de faire ça. Pour la vidéo, si tu tournes et tu tombes sur le jaune, tu choisis un cadeau au pif. Sachez qu'on fait une série, moi et Younes. Sur TikTok, ouais, vas-y, tourne la roue. Le jaune, le jaune. Si elle tombe sur le jaune. Et moi, je peux pas déballer un cadeau. Si elle tombe sur le jaune. Allez, moi et Myriam, si on tombe sur le jaune. Non, dégage. Vas-y, commence. Sur le jaune. J'ai le droit de changer. Commence. Une chance. Le vert.
Oh, le aïe aïe aïe, le rouge. Non, non. Tu dis Wallah en plus. Tu dis Wallah. Va faire deux unités de prière. C'était sur le rouge. Myriam. Ah non, là par contre, je suis pas d'accord. On joue pas Wallah alors que c'est faux. C'était sur le rouge avant. Yacine, vas-y, c'est pas. On a rien entendu. Yacine, t'as le droit à une chance. Yacine, il a une chance pour toi aussi, vas-y. Allez, tout le monde va dormir, personne n'ouvre des cadeaux. Toi aussi, joue. Attends, on sait jamais si j'aurais refait une deuxième fois. T'as vu, subhanallah. Dommage. Moi, ouais, si je tombe sur le jaune, si je tombe sur le jaune, dormir une heure. Non, arrête. Si, si. Oh, yes. J'en ai rien à foutre ce soir, je dors une heure et ça compte pour le défi. C'est mon propre défi, j'en ai rien à foutre des cadeaux. Ok, je vais tenter, je vais tenter. Non, c'est fini. Attends, mais je vais tenter un défi, je te propose. Laisse-moi proposer. Si je tombe sur le jaune, j'ai un cadeau. Si je tombe sur n'importe lequel d'entre les autres, je dois faire un gage que vous me donnez, toi et Myriam. Ok. Moi aussi, je veux participer. Non, non, c'est que lui. Ok. Alors, ton gage, c'est que nous, on est pas. Tu vas aller dans le jardin. Non, le gage, c'est tu vas aller dans le jardin et tu vas dire Younes et Myriam sont les boss. Je t'attends, on t'attend à la fenêtre ici. Vas-y, t'as ouvert ta bouche, va dans le jardin. Est-ce que je peux prendre attends, ça si jamais si je l'aurais refait. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, va dans le jardin. Va, le sort dans le jardin tout seul. Tu dis Younes et Myriam sont les boss. Je vois pas, moi. Regardez. En plus, il pleut. Il neige. Les gars, il neige. Vous me voyez? T'es où? Je suis là. Non, on te voit pas. Ah, si, on te voit. On te voit. Younes et Myriam sont les boss. Ok, tu peux rentrer. Bon, la famille, je sais que vous allez dire que j'ai une tête de sorcier. Regardez juste s'il est. Regardez pourquoi je rigole. Regardez juste s'il est quelle heure, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien même? 3h du matin. 3h du matin avec ma tête de sorcier, je suis extrêmement KO. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Solution numéro 1. Tapis de course, on fait du sport, on est des fous malades. Solution numéro 2. Tu connais, tu vas dans la cuisine, tu te fais un sandwich de la haie, ça te met en mode digestion, tout ça, tout ça. Du coup, tu vas pas dormir. Ah si, en vrai, si tu te fais un sandwich, tu vas être en digestion, c'est sûr, tu vas dormir. Ou solution numéro 3, tu joues à la play. Et la play, bah, en vrai, ça réveille. Chez moi, il n'y a personne. Myriam, elle a craqué, elle est partie dormir. Younes, je vous en parle même pas, je vais vous montrer. Regardez. D'ailleurs, regardez, Myriam, elle a fait quoi? Elle a marqué sur le mur M avec un cœur. Elle est trop folle, Myriam. Regardez, Younes, vous allez voir par vous-même. Je fais pas trop de bruit parce que mes parents, ils dorment. Craquer. En tout cas, vu que Younes et Myriam, ils ont pas tenu le défi, je vais faire un truc. On va prendre la tablette de Myriam, on va la cacher. Regardez, je vais faire quoi? Je vais... Tac. On va faire... Regardez, cette cachée-là, elle est incroyable. Vous allez me dire, c'est nul. Mais je vous promets, c'est incroyable. Regardez ce que je fais. En mode là, regardez, il y a un petit sac de délai, ça, un canapé rebeu. Vous prenez ça là, vous voyez ça là? On la met en dessous. Et je vous promets, elle trouvera jamais parce que c'est tellement simple qu'elle va pas y penser. L'assiette de Yacine, elle est prête. On t'a entendu hier faire ton reportage. Je dormais pas quand tu m'as filmé. Hein. Wallah, je dormais pas. J'avais juste les yeux fermés et je voulais faire. Wah! Mais après, je me suis dit, je suis pas un gamin. T'as pas remarqué quelque chose? Quoi? Depuis ce matin, tu prends le portable de maman, mais ta tablette, elle est où? Tu vois, je sais très bien que tu l'as caché, la tablette. Et je t'ai entendu en train de faire un reportage là. Tu veux t'agager ma tablette comme ça après? Comme ça après je tombe dans ta rose et après il reste que toi et t'as gagné. T'étais en train de dormir, hein, je t'ai vu. Moi tu sais, il m'a filmé, alors, il m'a dit regarder, il dort. Oh là je dormais pas, j'avais les yeux fermés. Moi aussi je dormais pas. Vous avez vu, vous dormez tous. Non, je dormais même pas. Tout le monde dormait. Du coup ton assiette elle est prête. Ta tablette elle est en dessous d'un coussin dans le set d'aller, je crois. J'ai entendu ça quand il filmait. Je te dis, je dormais pas. Va regarder sur le site d'aller en dessous d'un coussin. En face, va regarder. Va récupérer ta tablette. Là, si elle est là-bas, mais c'est voilà. Logique, lui, il veille jusqu'à 4h du matin. Même plus. Il a dû jouer à l'appeler toute la nuit. Je sais pas ce qu'il a fait. Regarde derrière un coussin, je crois. Il a dit là-bas, on regardera jamais. J'ai pas envie de faire du sport, les gars. Vraiment, quand tu dors pas, t'as envie de manger que du sucre, jouer à la play et dormir. Vas-y, je vais quand même tester les tractions. Vraiment, j'en fais au moins 10-12 faciles. On va tester. Bon, allez, c'est parti. J'ai pas d'énergie. 1, 2, 3. Wesh. Tu luttes là, vraiment? J'ai pas de jus. Oh, le truc de ouf. Wesh. Je me sens dans la peau d'Omar. Il est dans la peau d'Omar. J'arrive pas. Mais Omar, il te bat, je crois.
Ah, je suis mort. Ah non, je peux pas faire plus. Ouais, je suis à ce point là, j'ai pas de force. Wesh, tu nous emmènes où là? Là, pour ce défi, il nous faut vraiment un truc de ouf, un truc rare. Et là, Younes, je t'emmène quelque part, c'est toi qui vas payer le truc rare, un truc de ouf. C'est moi qui vas payer? Ouais. Wow. Mais t'inquiète, c'est pas grave, cher, t'inquiète. Alors, du coup, tu m'emmènes où? Regarde-moi ça. C'est quoi ça? Moi, ça pique. C'est quoi ce truc? Ça s'appelle le durian, il fait 19 euros. 19 fruit, euros, mais c'est quoi, Yassine? C'est un méga fruit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vas-y, sors-le pour voir. Attends. Le mur, il dégage une odeur de vieux fromage. Ah ouais? Ouais. Sans. Fais voir, je vais sentir. Tu sens ou quoi? Ah ouais, bah prends-le. Hein. Bon, Younes, je te laisse les porter. Je te fais confiance. Hein. 19 balles. Et ça donne de l'énergie. Ouais, de ouf. Pourquoi tu rigoles? Est-ce que tu sais ça t'a coûté combien au moins? Je sais, j'ai payé 50 euros, les gars, le fruit. 56 euros. Il y avait marqué 19 euros le kilo. En fait, c'était 19 euros, mais le kilo, c'est grave cher. Là, on est dans une boulangerie de malade. On va essayer d'acheter un petit truc pour Myriam. Regardez la boulangerie. Et pour moi, peut-être. Non, pour Myriam. Oh là là, mon paradis. Regardez-moi ça, moi je suis obligé de me prendre un truc. Non, moi je partirais sur ça, une tarte comme ça là. Une tarte? Mais Myriam elle va pas manger une tarte. En vrai prends-lui entrée et dessert. Vas-y. Attends, laisse-moi regarder, il y a quoi? Des croissants, pain au chocolat. Ah ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire entrée et dessert? C'est-à-dire que tu lui prends un sandwich ou une pizza. C'est des forceurs ça, ça pue pas. Hein. Ouais, mais quand tu vas l'ouvrir, tu verras. En gros, ils ont dit que pour les Asiatiques, c'est le meilleur fruit au monde et pour les Européens, c'est le pire fruit au monde. Ah, par contre, je vais laisser Yassine l'ouvrir, je pense, parce que la semaine dernière, j'ai... Oh, voulu... regarde, là, il s'ouvre tout seul. Ah ouais? Magnifique. J'ai voulu ouvrir un fruit, regardez, la big cicatrice. Ah ouais, c'est vrai, il s'est coupé. Je me suis tué le doigt, c'est-à-dire que je vais pas l'ouvrir tout seul, celui-là. Elle vient de rentrer de l'école et avec Yassine, bah, on t'a fait double surprise, en vrai. Regarde ce qu'on t'a pris. Je sais que t'as la dalle. C'était pas trop dur, 7h du matin, prof de français, c'était pas trop dur? Ça va, je suis pas trop fatiguée. Ok, t'es ma découvre. Ah, c'est fini. Normalement, c'est ton truc préféré. Il y a d'Oasis. Et ça, c'est Yassine qui a choisi. Oh, une pizza. My pizza. Voilà, vas-y, bah chauffe-lui. En attendant, commence par le cookie. Ça, c'est... Hey, c'est pas les cookies de Lidl. Hein. C'est un cookie de la boulangerie. Tu mets à 20 secondes, même pas. Ah ouais? Ouais. Ouais. Hey, tu vois pas que tu commences pas à voir flou toi? Non, tout le temps. Et sinon, comment ça se passe pour vous le défi? Demande à lui là. Moi je te laisse parler. On est fatigué. On est fatigué et on est fatigué, voilà. C'est-à-dire peut-être que tu gagnes. Tu as gagné quoi? Avec le défi. On a pris la pizza préférée de lui là. Non, bah non, il y a du chèvre. Moi, ma pizza c'est margherita. S'il y a qu'un fromage, c'est l'emmental. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Merci. Goûte-la pour voir. Tape un croc dans le fromage. Bismillah. Juste pour voir si c'est du bon fromage. Le blanc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le blanc. Ouais. Et je peux pas faire tout ça. Mais tu l'as coupé avec tes mains. La plie là et tu fais un gros croc. Voilà, là, tu fais un bon croc. Non, ici au milieu. Ah là. On doit de triple buse. Voilà. Tu me dis ce que t'en penses. Franchement, je t'ai dit, le chef dans les pizzas, Yassine, je te jure, c'est un bail. Bon, on va faire l'ouverture. Il y a plein de piquants pour faire super attention de ne pas se couper. Bismillah. Oh, c'est pas comme ça qu'on l'ouvre. C'est comment? Tu mets la pointe vers le bas. Comme ça. Et ça, c'est comme dans du beurre. Wow. Je dis, c'est comme dans du beurre. Ça me fait vraiment penser aux noix de coco. T'as vu qu'on met 10 ans à ouvrir? Ouais. Ah, là, je pense que c'est bon. Vas-y, c'est doucement. C'est dégueulasse à l'intérieur, c'est tout. T'as même pas goûté. Mais c'est bizarre, c'est doublant. C'est la création de Dieu, Myriam, faut jamais critiquer. Oh, moi, j'ai réussi à faire le tour. Mais imagine, c'est pas beau. Bah, c'est possible, mais faut pas dire que c'est dégueulasse. Bon, normalement, on a réussi à l'ouvrir. Waouh. On va regarder à l'intérieur comment ça se passe. Oh. Regardez, c'est bizarre, c'est assez bizarre, c'est vraiment. Après, je pense qu'il est pas mûr à 100%. Je sais pas quoi en penser. Ok, ils vont tester. Allez, ouais, on va prendre un petit bout. Ça sent vraiment pas bon. Regardez, ça a une consistance assez bizarre. Okay, moi, je prends un bout comme toi. Bismillah. Là, je suis en train de manger 5 euros. Oh, mon à ce point-là? Oh, c'est de l'ail. C'est comme de l'ail. Ah, bien. C'est génial. Ah non, je peux pas, j'aime tout dans la vie, mais là je peux pas. C'est pas validé. Non, c'est pas un fruit, subhanallah. 56 euros pour ça. Il y en a qui aiment ça. Je mets au niveau goût 0 sur 10. Ouais, moi aussi.
On dort pas les gars, j'ai plus de batterie dans ma manette. Tellement j'ai flingué avec Yacine. Du coup je me suis fait une petite assiette. Regardez-moi ça. À cette heure là on se fait une bonne pile de pancakes. Je crois qu'il fait encore. Ouais, il fait bien nuit dehors. Regardez-moi ça. Pour pas dormir, faut du sucre. On prend du bon sirop. Hop. On mange ça avec les doigts, toujours important, c'est important. Bismillah. Mais qu'est-ce qu'il fait Younes? Eh oh! Eh oh! Il s'est endormi! Oh quoi? Tu t'es endormi! Mais quoi? Laisse-moi tranquille! Et tu t'es endormi? Non! En plus, on doit aller au foot là! C'est maintenant! Bah oui, c'est maintenant! Oh punaise! Oh. Famille, là, c'est la nuit, on va aller au foot histoire de réveiller le corps un peu, parce qu'il faut pas s'endormir. Et là, justement, bah, il fait nuit, vous voyez. Hein. Il y en a plein qui nous demandent, qui nous posaient des questions. Pourquoi vous n'allez pas jouer dans un meilleur niveau en R1, en National 3, etc., etc. Je dis la vérité, avec moi et Younes, on aurait pu largement aller jouer dans ces niveaux-là sans vouloir nous vanter. Mais en fait, le truc, c'est que on est des flemmards. Faut dire la vérité, on est des gros flemmards. On a la flemme de se déplacer, d'arriver dans des nouveaux clubs où tu connais personne et tout et tout. Du coup, on préfère aussi, rester. Aussi, on est un peu connu sur Foot Familia. Il y a ça aussi, ça joue beaucoup. C'est très compliqué. Ça joue beaucoup. Où on va, en fait, où on va, les gens, ils nous connaissent. Ça veut dire sans on se vante pas. Oula, je me vante pas, c'est la vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas que des gentils. Les gens, t'as vu, ils sont de mauvaise foi parfois. C'est dégoûtant un peu. Du coup, bah, c'est un peu compliqué pour nous. Mais là, on préfère jouer avec nos potes. Le football, c'est un plaisir. C'est on un sport, on va voilà. Juste faire du sport en gros. Voilà. J'ai un défi à te lancer en vrai. Lance-la en l'air, grave haute, et tu veux un contrôle. On va voir si t'es chaud en contrôle. Ok, un peu plus haute, un peu plus haute. On va voir s'il sait bien contrôler le ballon. Là, il l'a mis vraiment haute, là. Ah ouais. Ça flingue. Bon défi pour Younes, fais-nous un beau geste technique. Ok, vas-y, go. Celui-là, yes. Olé. Il est simple. Vas-y, arrête, finis comment? Arrête, finis comme ça, tu vois. Olé. Ouais, ça va? Ok, vas-y, salut. 6h20 du matin, qu'est-ce que je fais là? T'es mal à la tête, frère. J'ai mal aux yeux et mes yeux commencent à être rouges. Oh, hey, je me suis dit, imagine la première fois que tu te maries, tu vois ta femme pour la première fois, elle te voit pour la première fois à 7h du matin, quand tu te lèves le matin. Ça doit être un truc de ouf. J'ai une grosse douleur au genou, ça je pense à cause du manque de sommeil. Moi les gars, je vais m'arrêter là, je vous dis la vérité. J'ai pas réussi à pas dormir pendant 48 heures. Pour moi, c'est impossible. Leur faites pas à la maison. C'est complètement débile, ça détruit la santé, mais je voulais juste essayer vite fait. Yacine, lui, on dirait, il a l'habitude qu'il dort souvent tard. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous. Ciao, ciao.